j'espère que vous portez tous à merveille la vidéo d'aujourd'hui s'intéressera à l'un des médiateurs chimiques les plus importants sur le plan physiologique de notre organisme c'est cette fameuse molécule nommée histamine. comme définition histamine ou la 2-4-imidazole-éthylamine, une amine naturelle, hydrophile et vasoactive, synthétisée par plusieurs types cellulaires de notre corps, dont, premièrement, les cellules du système immunitaire, les granulocytes basophiles et les mastocytes, où cette histamine est formée au niveau cytosolique, puis activement pompée dans des granules aussi appelées les vésicules de stockage, d'où elle est libérée par un phénomène d'exocytose durant les réactions d'hypersensibilité. Le deuxième type cellulaire concerné étant les entérochromaphylles et les entérochromaphylles like, qui sont des cellules endocrines du tube digestif qui donnent des réactions chromaphines positives, d'où leur nom d'entérochromaphylle. Une fois ces cellules-là stimulées par de la gastrine, elles vont sécréter de l'histamine qui va induire à son tour la sécrétion du sucre gastrique et de l'acide chlorhydrique via l'activation des pompes à protons. Le troisième type cellulaire sont les neurones histaminergiques à localisation hypothalamique postérieure, plus exactement au niveau du noyau tubero-mammilaire. L'orexone innerve l'ensemble du système nerveux central, donc le cerveau, le tronc cérébral et la moelle épinière. Ces neurones-là sont actifs durant l'éveil mais inhibés durant le sommeil et pour cela ils représentent le principal centre de l'éveil cérébral. La concentration de cette histamine présente une distribution particulière au niveau des organes, les plus riches étant le poumon, le foie, la peau et la part gastrique. Pour ce qui est du métabolisme de l'histamine, elle est synthétisée à partir de la L-histidine qui est un acide aminé essentiel. Cette réaction est catalysée par une enzyme appelée la L-histidine décarboxylase. Une fois formée, cette histamine sera stockée dans des vésicules, puis dégradée en n méthylhistamine histamine par la N-méthyltransférase. Sa durée de stockage et la rapidité de sa dégradation dépendent du type cellulaire concerné. Voire, Au niveau des mastocytes, elle sera complexée avec d'autres résidus divers, exemple de l'héparine, ce qui va induire la prolongation de sa demi-vie jusqu'à plusieurs semaines. Par contre, cette dégradation est beaucoup plus rapide au niveau des neurones histaminergiques. La libération de l'histamine. Elle se manifeste par une excrétion du contenu des vésicules de stockage, par une exocytose, induite par l'augmentation du calcium intracytoplasmique, résultant d'une cascade de réactions biochimiques intracellulaires. Soit suite à une activation des anticorps de surface mastocytaires par des antigènes ou bien à l'arrivée d'un potentiel d'action au niveau des terminaisons nerveuses des neurones présynaptiques. Maintenant, on va s'intéresser de plus près aux récepteurs de cette molécule. La première information à retenir est le fait que l'histamine compte quatre types de récepteurs, les H1, les H2, les H3 et les H4. Et selon le type de récepteur qu'elle va activer, on aura un effet physiologique spécifique. Les récepteurs type H1, ils sont localisés premièrement au niveau des muscles lisses. À leur niveau, l'histamine induit leur contraction. Exemple, la bronchoconstriction qui est la contraction de la couche musculaire lisse des parois bronchiques. Deuxièmement, au niveau endothélial l'endothélium qui est la monocouche cellulaire interne des vaisseaux sanguins à ce niveau l'histamine induit une vasodilatation et par conséquent la séparation de ces cellules et donc on aura une augmentation de la perméabilité capillaire et la formation de l'œdème au cours de l'urticaire troisièmement au niveau des neurones histaminergiques du système nerveux central responsable du maintien de l'état d'éveil les récepteurs type H2. Premièrement, ils sont localisés au niveau de la paroi gastrique, où l'histamine sécrétée par les entérochromaffines induit la régulation de la sécrétion de l'acide gastrique. Deuxièmement, au niveau du muscle cardiaque, où l'histamine a pour rôle de provoquer une tachycardie, donc une accélération du rythme cardiaque. Troisièmement, au niveau mastocytaire par une auto-stimulation pour le maintien de la dégranulation massive au cours de sa participation à l'inflammation. quatrièmement et finalement au niveau des neurones du système nerveux central dont la fonction est mal établie pour le moment. les récepteurs type h3 ils sont localisés premièrement au niveau des neurones du système nerveux central ils ont la caractéristique d'être des autorécepteurs présynaptiques centraux inhibiteurs. Ils inhibent la sécrétion de l'histamine elle-même, mais aussi, ils interviennent dans la régulation de la sécrétion de la sérotonine et de l'acétylcholine. Deuxièmement, ils sont aussi localisés au niveau du plexus myentérique. Et finalement, les récepteurs type H4, essentiellement localisés au niveau des cellules hématopoïtiques, centrales au niveau de la moelle osseuse et périphériques. À leur niveau, l'histamine induit une chimiotaxie des éosinophiles et des mastocytes à l'histamine. La chimiotaxie veut dire une augmentation de l'affinité. Elle induit aussi la libération de l'interleukine 16 par les LTCD8 activés.